Je suis propriétaire d'une maison construite avant 1997 et je viens de faire réaliser un diagnostic amiante par une professionnelle agréée. Lors de mon contrôle, j'ai découvert qu'il y avait de l'amiante dans de nombreux points de votre maison et sur la toiture en plaques de fibrociment de votre abri de jardin. Pour vous-même et votre famille, il faut absolument retirer cette amiante pour éviter d'attraper une fibrose pulmonaire, voire un cancer. Je vous recommande de faire appel à un spécialiste certifié comme Mathieu, qui s'occupera de retirer l'amiante. D'ailleurs, la législation l'impose. À votre service. Une fois que j'aurai retiré l'amiante, il pourra être enfoui. Mais il est préférable de l'éradiquer définitivement grâce à l'inertage. Cette deuxième méthode consiste à éliminer l'intégralité des déchets amiantés grâce à une torche à plasma ou à un bain d'acide. En France, plus de 15 millions de logements sont encore concernés. 2 millions de salariés sont encore exposés. Chaque année, 1800 cancers sont imputables à ce poison. Pour protéger les générations futures de ce dangereux matériau, Allo Amiante et les associations de la CAVAM proposent la création d'un pôle public de l'éradication de l'amiante. Grâce à ce pôle, nous souhaitons apporter une réponse de santé publique, un concept qui rassemblerait tous les acteurs pour le bien commun, autour d'une charte et un cahier des charges. Nous voulons aussi développer l'information auprès du grand public et rendre gratuite la récupération des produits amiantés pour les particuliers, afin d'éviter les dépôts sauvages.